Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau let's play sur Octopus Traveler. Pourquoi je fais ça non en live et que je fais ça en comment dire directement en vidéo? C'est parce que je compte essayer de faire le jeu complètement en vidéo, et si je n'y joue qu'en live, je sais très bien que ça ne tiendra pas. Bref, du coup on va commencer. Et on va commencer par qui? En vrai, j'avoue que je serais tenté par l'idée de d'abord faire un perso complètement avant d'aller chercher les autres. Mais bon. Mais si vraiment je fais ça, par contre, il va me falloir un perso qui puisse tanker un minimum. Donc, Olderic serait le mieux à ce niveau-là, je pense. Mais Panitza, ça pourrait être pas mal non plus. Bon, je vais commencer par Olderic. Pas sûr que je fasse l'entièreté de son histoire comme je disais avant de faire les autres, mais si je peux t'entendre, ce serait pas mal. Il y a 8 ans. Par les enfers, est-ce un homme ou une bête? Il est seul, mais il se bat comme 10. Que les dieux aient pitié de nous. C'est là la main flexible de Cornebourg. Olberic Eisenberg. Olberic Eisenberg. Ainsi vous connaissez mon nom. Inutile donc de tergiverser. Lequel d'entre vous souhaite mourir le premier? C'est vous qui allez y passer. Ouais, regardez autour de vous. Vous n'avez aucune chance. Des renforts sur le flanc gauche. Protégez mes sirs Olderic, soldats. Les gardes noirs errent, ont les coudes franches depuis trop longtemps. Chargez. Ah, aucune importance, on en a fini ici. Sonnez la retraite, on se replie vers le point de ralliement. Monsieur Olberic, je craignais que d'arriver trop tard. Oh, j'étais de taille à leur résister. Pouvez-vous tenir cette position? Vous pour le camp de Sa Majesté, messire? Just so. En effet, notre adversaire nous a fait un naïve, et nous n'avons reçu aucun ordre de la couronne sur la marquette. Sa Majesté est en sécurité, messire. Sir Erhard, je le sais, messire Ednars. There is no stronger knight in the realm other than yourself, of course. With Sir Erhard at his side, surely his majesty is in no danger. Sa Majesté ne trouve aucun danger. Perhaps not. Peut-être, mais nous devons nous en assurer. I would know how the battle unfolds. Et je tiens à faire le point sur la bataille. Word from the king always lifts the men's spirits. Remonte toujours le moral des troupes. As you wish, sir. Fort bien, messire. Nous tiendrons cette position. Be safe. May the gods guide your blade. Soyez prudents, et puissent les dieux guider vos lames. And yours, Sir Olberic. La vôtre également, Monsieur Olberic. Miséricorde. Let's have mercy. La garde personnelle de Sa Majesté, massacrée jusqu'au dernier homme. Qui a pu faire une chose pareille? Erhard. Ednart. Where is Erhard? Ednart. So, ainsi, c'était vous. Majesté. Erhard, what is
Mais que se passe-t-il ici? Qu'avez-vous fait? You not eyes? Seriez-vous donc aveugle? J'ai tué le roi de mes propres mains. What madness? What treachery? Mais quelle est donc cette folie, cette trahison innommable? No madness. Une folie, loi de l'homme. Mais libre à vous d'y voir une trahison. Je vous croyais mon ami, mon frère. Brothers indeed. Nous étions comme frères. How many times did we cross swords like this in the practice yards? And how many times have I told you? Et combien de fois vous l'avez répété? J'anticipe chaque avancée et chacune de vos attaques. As I see yours. Tout comme je devine les vôtres. Ah. Ah, mais vous n'avez pas encore tout vu. Il me reste une vôtre que je gardais en prévision de ce jour. Toujours le même cauchemar. Ah, Philip. Ah, Philippe. What is it? Crivens. Fish. How did you know it was me, sir? C'était moi, monsieur. One must always be on his guard, even when he rests. Yes. Tu un chevalier? No. Non, je ne suis pas I un am chevalier. No knight. Je ne suis qu'un homme pour toi, man. Rien de plus. If you say so, sir. Si vous le dites, monsieur. But there's lots of men what carry swords that can't do half of what you do. Qui sont incapables de faire la moitié de ce que vous faites. Oh, I almost forgot, sir. Oh, j'allais oublier. Le chef du village vous cherche. Says he wants a word. Il dit qu'il veut vous parler. He didn't say about il n'a what? Pas dit de quoi. Tell him I'm on my way. Va donc lui dire que j'arrive. Hein. Yes, sir. Oui, monsieur. I'll go on ahead and let him know, je vais prévenir tout de suite. He'll be in the square. Monsieur, you know the one. Vous le trouverez sur la place. Vous savez où c'est. How many years has it been? Combien d'années se sont écoulées depuis la chute de Cornebourg? Mon suzerain tué, mon pays dévasté, puis cette longue et inutile errance. After a time, il m'aura fallu I came to this village. Avant de m'installer here, dans ce village, où j'ai désormais ma vie comme mercenaire. Hide, defending the villagers from bandit raids, teaching young men how to handle a blade. À manier une arme. Not cette a glamorous vie n'est pas palpitante, certes, but mais elle n'assume ma pitance. A man like me knows only je the battlefield. Que les champs de bataille, la valeur worth d'un only as much as the blade in my side, and the arm that swings it. À son côté, et à la vigueur du bras qui la manie. When that blade fails alors to save vous, my sworn homme, celui qui va jurer de servir. For years, I've asked voilà myself des années que that je question. Cherche une réponse acceptable à cette question. No answer en still. Vain, hélas. One thing I do know tout ce que je sais, c'est that que I own this village in debt. A debt dont I intend to eat. But, mais inutile de passer la matinée à recenser. Tout cela et le chef du village m'attend. Bonjour, monsieur. How there? Patrouille matinale au rapport. Rien à signaler. I see. Ravi de l'entendre. Hmm? Vous êtes deux aujourd'hui. La tournée d'inspection ne nécessite qu'un seul homme d'habitude. Yes. Oui, monsieur. Le chef du village a jugé qu'il valait mieux. Eux, des brigands sévissent dans les collines en ce moment. Un pauvre marchand s'est fait étriper pas plus tard qu'hier. Un spectacle à vous glacer le sang. Indeed. Nous vivons une époque bien troublée. On n'est jamais trop prudent. Il paraît que le chef du village va me voir. À présent, si vous voulez nous excuser, monsieur, patrouille matinale en avant, marche. J'aimerais revérifier.
pas le vérifier, mais... De souvenir, à côté d'Olberic, c'était Primrose, puis Alphine et Therion. Je dis ça parce que j'aimerais bien en fait avoir Therio avant de commencer les histoires parce que... Enfin avant de commencer les histoires après celle d'Olberic. Ne serait-ce que pour avoir le coffre... Enfin les coffres violets. Mais bon, on verra. Oh, oh Berg, vous voilà. Bien le bonjour monsieur. I see. Bonjour à vous, Philippe. Philippe m'a fait savoir que vous vouliez me parler. Ah. Oui, oui. J'irai droit au but. On nous a signalé la présence de Borgi dans les collines. I see. J'ai constaté que vous avez fait doubler les patrouilles. Oh, oui, yes. Je comptais également vous demander votre aide. Les villageois n'osent plus s'aventurer dans les monts et collines de peur des Borgi. Nous ne pouvons donc ni relever nos pièges, ni... chercher du bout de chauffe. Une situation pour le moins délicate, vous en conviendrez. Mm. Je m'en occupe. Où puis-je trouver ces malandrins? Je crains de ne pouvoir vous indiquer précisément où ils se cachent. J'ai bien envoyé des hommes à leur recherche, mais... Bird, sir. En attendant, pourriez-vous entraîner la milice? Nos hommes sont pleins de bonne volonté, mais ils s'avèrent bien incapables de faire la différence entre la pointe d'une épée et son pommeau. As you wish. C'est comme si c'était fait. Beg pardon. Monsieur, si ce n'est pas trop vous demander, mon Philippe pourrait-il participer à l'entraînement? S'il le souhaite, il est la bienvenue. Oh ça, il ne demande pas mieux, croyez-moi. Il me harcèle à ce sujet depuis des semaines. C'est un brave garçon. Il a du cran et de l'ambition, et il s'est choisi un excellent modèle en la personne de Berg. Oh. Mon mari est mort, vous savez, pendant la guerre. Mm. Et mon fils arrive à un âge où il a besoin d'un père. Oh non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Votre fils est déjà un atout précieux pour ce village. Je serai honoré de l'entraîner. Vous êtes trop bon, monsieur. Alors, c'est décidé. Entraînez ce garçon comme il faut et faites en sorte que sa mère soit fière de lui. I see. Comptez sur moi. Bon, là, du coup, je vais utiliser la commande défier. Qui est une commande qui est pour Olberic seulement. Parce que celle de Hanit, même si elle l'envoie quelqu'un en duel, enfin si même si on prend quelqu'un en duel, c'est uniquement avec elle se bat uniquement avec ses animaux pendant les duels, donc bon. C'est toujours un honneur de s'entraîner avec un guerrier de votre trempe, monsieur. Let us fight with honor. Alors, ok, il est faible à la lance. Et à l'épée, très bien. Victory. Comme ça, je lui donne sa garde. Je me mets en exaltation 4 qui me permet d'utiliser des magies plus puissantes ou d'attaquer 4 fois physiquement. I grow stronger. Ça sert à rien. Ah monsieur, on n'est pas de taille face à vous. Vous hésitez trop. Se protéger est important, c'est vrai. Mais vous ne l'emporterez jamais si vous manque le courage de frapper. Si vous le dites. Allez, au prochain. Je prends... Toujours prêt à m'entraîner, monsieur.
Let us fight with honor. Battle is truly joined. Ouais, je vais vite fait expliquer le système des points d'exaltation au cas où des gens qui regarderaient la vidéo n'auraient jamais fait ou vu du Octopath Traveler. En gros, chaque tour, un point d'exaltation se stack sur votre personnage et vous pouvez en utiliser jusqu'à 4. Vous pouvez en stacker jusque 5. Et comment dire, à chaque fois par contre que vous en utilisez un, au prochain tour vous n'en stackerez pas un. Voilà. Je sais pas si ça a été très clair décrit comme ça, mais bon. Je pense que ça devrait aller. Tout à l'heure je vous ai montré ce que ça donnait dans une attaque physique. Maintenant je vais vous montrer pourquoi une capacité à l'épée serait plus puissante par exemple en exaltation. Par contre ça oui, les buffs en gros plus t'es exalté et plus le nombre de tours que reste le buff augmente. Voilà. La taille horizontale a fait 250. Là où si je n'étais pas exalté, elle aurait fait 50 je pense. Je me suis encore fait avoir. Quant à vous, vos attaques téméraires offrent trop d'ouverture à l'adversaire. Voilà pourquoi la moindre contre-attaque a raison de vous. N'oubliez pas qu'il faut trouver l'équilibre entre toutes choses. Ah si. L'équilibre. Pigé, je tâcherai de m'en souvenir, monsieur. Cela étant dit, si vous combattez côte à côte, vous devrez très bien vous compléter l'un l'autre. Indeed. C'est exactement ce que je me disais, monsieur. Just so. Serait plus efficace ensemble que séparément, pour vrai. Qu'est-ce t'en dis, l'ami? On fait équipe? Les têtes valent mieux qu'une, hein? What's this? Quelque chose ne va pas, monsieur? Comment? Non, tout va bien. Désolé, excellente idée. Entraînez-vous ensemble. Et vous deviendrez un jour des soldats dignes de ce nom. Yes. Entendu. I thank you. Dans ce cas, si vous permettez, on va partir tous les deux en patrouille. I see. Bonne idée. Allez-y. Monsieur, à moi, s'il vous plaît. Non. Tu n'es pas encore prêt. Travaille plutôt tes positions. Hey, come on. Fais l'exercice que je t'ai montré et nous entraînerons bientôt ensemble. Tu as du talent, petit. I do? C'est vrai. I see. Rares sont les garçons de ton âge capables d'apprendre aussi vite à manier l'épée. Et j'en ai entraîné plus d'un, crois-moi. Fichtre. Merci, monsieur. Mon père, il n'est plus parmi nous. Vous savez, il est mort à la guerre. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ma mère qui s'occupe seule de moi maintenant, monsieur. Mais bientôt, je serai un homme et ce sera mon tour de m'occuper d'elle. Elle a de la chance d'avoir un fils aussi courageux. Hey, thanks. C'est pour ça que je veux devenir plus fort, monsieur. Je dois protéger ma mère et le reste du village. Après tout, ce qu'elle a sacrifié pour moi, c'est le moins que je puisse faire. J'ai eu moi aussi à quelqu'un à protéger autrefois. Monsieur? Ce n'est rien, juste de vieux souvenirs. Continue à t'entraîner et tu seras bientôt un homme digne de ce nom, petit. You got it. Comptez sur moi, monsieur. Je devrais faire le tour du village. Oh. Les brigands, ils nous attaquent. Monsieur Berg, les brigands, ils viennent de des montagnes. Cela dit, avant d'y aller, par contre, je vais commencer à m'acheter de l'équipement.
Alors, déjà, qu'est-ce que j'ai là? J'ai que les équipements de base. Très bien. Alors, avant toute chose, je pense que je vais m'acheter de la défense, parce que comme je sais que dans ce jeu, ils ont tendance à faire quand même bien mal. Donc je vais prendre ça. Je vais prendre un casque de bronze. Et par contre, pour les armes, on verra plus tard. Non, oui, non. Bah, ces bouseux, ils savent pas à qui ils ont affaire. On est plus nombreux qu'eux, encerclez-les. Et tripez-les avant que le patron découvre qu'on a été ralenti par des pouilleux. That's all. That's right. Vous ne passerez pas. Damn it. Maudit soit ces tutéreux, ils savent se battre. Look, monsieur, bon travail. Vous avez fait ce qu'il fallait pour les tenir en respect. Laissez-moi me charger du reste. Non, mais t'es qui toi au juste? S'il imagine qu'il va nous mettre la pâtée à lui tout seul, c'est un sale de première. Oh. T'en as une jolie petite épée, dis donc. J'en connais un rayon sur les chevaliers errants. Tu sais, j'en ai zigouillé des tas. Et des plus coriaces que toi. The hell? Je t'assure, je le sens pas celui-là. Indeed. Vous avez tous les deux raison, je ne suis qu'un simple chevalier errant. Et mon nom n'a nulle importance. How about you? Mais si vous êtes venu chercher les ennuis, vous allez les trouver. Boucle là où je te coupe la drogue. Aye. Assez discuté, on va l'embrocher. I will not fail. Now then. Alors, brigand 2, brigand 1, brigand 1. Ok, lui il est. The battle is truly joined. Insoumission. Hop, je vais mettre les trois en faille d'un coup. Grâce à ma taille horizontale, je vais les terminer. The thrill of the fight. Ah, il m'en suffit très peu pour un level. Mais soit. Toi, tu essaies de servir d'une épée pour sûr. On n'a pas dit notre dernier mot. That's right. Ça, non. Attends seulement que le patron apprenne ce qui s'est passé. T'es un homme mort, t'entends? On verra ça le moment venu. Au secours, hey, mon fils! Lâche-moi, espèce de sale. Ah. Monsieur Berg, ils me l'ont enlevé. Mon pauvre Philippe, il essayait de me protéger, mais c'est sauvage. Malédiction. Pardonnez-moi, ils étaient si nombreux et... Cela n'a plus aucune importance. Il faut sauver le garçon. On sait où les trouver maintenant. Ils se terrent dans une grotte en plein cœur des montagnes. Indeed. Alors allons-y. Je seul sais ce qu'il compte faire de lui. Attendez. Mais monsieur, il faut intervenir. Il risque de tuer le petit. Non. Si vous partez, qui protégera les femmes et les enfants lorsque les voleurs reviendront? Non, vous feriez ainsi exactement ce qu'ils espèrent vous voir faire. Par tous les dieux, il n'y a donc rien à faire, monsieur. I see. Je vais partir à la recherche du garçon. Seul, mais monsieur, même vous. Restez ici pour défendre le village. Au moins jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils ne reviendront pas. Chef, forgive me. Vous êtes le seul espoir de ce garçon, Berg. Vous êtes notre seul espoir. Pouvons-nous compter sur vous?
As you wish. C'est comme si c'était fait. Oh, heavens. Monsieur, ramenez-le-moi, Slice Off. I swear on my blade. Vous avez ma parole. Et ça commence bien. Ouais, je vais... Burke, sir. Je vais faire l'entièreté du chapitre pour l'épisode. Ça me semble plutôt bien. Monsieur Berg, les brigands se terrent dans cette grotte là-bas. Ce sera sûrement très dangereux. Vous feriez mieux de vous y préparer avant d'y aller. Je vais peut-être juste redormir à l'auberge avant d'y aller. Parce que là, vu que je n'ai pas de DPS, bien que je tanque, ce serait bien que je puisse tenir en utilisant le moins de soins possible. Les incuratifs. Alors, let us fight with honor. Have at you. Je me souviens plus après une force faible. Non, donc c'était l'épée. The battle is victory shall be mine. I think not. Ça me permettra de se faire plus. Donc finalement, ça servait à rien. Juste. The thrill of the fight. Hop, niveau 3. Je vais farmer sur la world map le temps d'avoir 30 PC. A savoir que là j'en ai déjà 12. Pourquoi je dis 30 PC? Ça me permettra d'avoir une nouvelle capacité pour Olberic. Alors, eux, je sais plus à quoi ils étaient faibles. Ce n'est pas la lance. L'épée. Ah, bah si. Let us fight with honor. The battle is truly joy. Out of my way. Victory. Have at you! Out of my way! Have at you! C'est bon. With each battle, I grow stronger. Je suis arrivé à 20 PC. Il y a plus qu'à. Cela dit, je vais peut-être aller chercher le coffre avant de... Let us fight with honor. Des ennemis volants sont à la lance. Et ils sont faibles à la lance. The battle is... Je sais qu'ils sont pas faibles à l'épée. Mais j'ai fait ça pour une raison. Déjà pour pouvoir taper les deux, mais surtout parce que je n'avais pas assez de points d'exaltation pour en splasher 4. Vieille pièce. It's a good day for battle.
Have at you. Have at you. Have at you. I think not. No. Et voilà. With each battle, I grow stronger. Il ne nous reste plus que deux PC à avoir. Let us fight with honor. Ce sera pas toujours aussi long, les sessions farming. Juste bah, comme. Comme pour l'instant, j'ai un personnage solo. Je préférerais qu'il y ait une certaine compétence. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai choisi Ulderic à la base en premier. Ça y est, j'ai les 30 PC. Hop, aptitude. Bon. Là, genre, j'aurais bien hésité entre frappe croisée, enfin avec frappe croisée, mais ça me ferait que des compétences à l'épée. Et puis, même si elle est puissante, c'est pas ce que je recherche. Je prendrais fer de lance, comme ça me donne à chaque. Quand je l'utilise, ça me donne l'initiative pendant le tour. Ce qui peut être pas mal, notamment quoi, pour pouvoir mettre des ennemis en faille le plus vite possible. Et donc de moins craindre les attaques de groupe. Tiens, regardez, Kivla, t'as perdu un truc, chevalier errant. Écarte-toi avant que je ne t'étripe. Tu ne manques pas de courage, ça je te l'accorde. Mais t'es qui au juste? J'ai jamais vu un simple chevalier errant manier une épée comme toi. Alors, si tu tiens à la vie, tu ferais mieux de me laisser passer. T'es sur notre territoire, chevalier errant. Ici, c'est nous qui donnons les ordres. T'as beau être habile, t'es un homme comme les autres, et ton sang n'est pas moins rouge. Chopez-le! I will not fail. Victory shall be mine. Pour l'instant, je joue en premier. I will cut you down. Je vais faire ça, comme ça, ça va me. Victory shall be mine. Bon, je vais sûrement m'en prendre un peu plein la gueule, mais. C'est mieux que je fasse ainsi. Hop, comme ça. J'allonge à tous les trois. Je les mets à tous les trois en faille. Et maintenant, je peux exalter. Ah putain, j'ai pas assez, sa race. J'ai pas assez de. DMP. Have at you. Donc, je vais utiliser un fer de lance. Hop, comme ça, je suis le premier à jouer. Victory. Now. Have at you. Et voilà, I grow stronger. Niveau 5, donc je récupère HP et MP. Tiens bon petit, j'arrive. Cela dit, j'ai 700. Ouais non, j'aurais pas assez. J'allais dire j'aurais bien été me chercher une arme, mais j'aurais pas assez. Bon bah, let's go le repère des brigands. Les incuratifs. Let us fight with honor. Now then. Have at you. Have at you.
I grow stronger. Je continue. This is a good day for battle. The battle is truly. Ouais, non, je crois. Comme il va revenir, je pense pas que. With each battle, I grow stronger. On va faire des gars et fire. J'ai pas eu le domination, vu que pour avoir domination, faut abattre ses ennemis en un seul tour. Vous avez pris la mine par partie. Bon bah, je vais en profiter. Hop, insoumission. Comme ça, je pourrais stacker un exaltation 4 avec un bonus. Dégâts plus. Encore un. Ah, il m'attaque par surprise. Have at you. Victory shall be. Ah, je pensais que la lance elle aurait mis en faillite. The battle is J'ai 5 réserves curatives, 3 spins. Oh, ok. J'aurai largement assez de soins pour terminer le combat de boss. Bon, bah, du coup, on va laisser les faire. Ce qui était écrit, désolé. Il est plus fort que vous tous réunis, ça oui, vous n'avez aucune chance. Ah bah, il a dû dire par le mot de ce chevalier errant. Mais come on. C'est pas une blague, arrêtez de rire. Vous entendez ça, les gars? Ce chevalier errant est la plus fine homme du royaume. S'il croit qu'il peut nous régler notre compte à tous, c'est juste un fou. Ah, chevalier. On n'est pas dans un conte de fées, petit. Les vrais chevaliers, ils perdent pas leur temps avec des bouseux. Si je serais un chevalier, une demoiselle en détresse ferait sûrement un meilleur appât. Qu'est-ce que vous en dites? On retourne chercher la mère? Mais comment? Arrêtez de rire. Vous rirez moi quand bien sûr Irberg en aura fini avec vous. Monsieur Berg, alors ça c'est un nom qui fiche la pétoche. Regarde. Je trempe comme une feuille. Bouclez-la, vous tous. Ce gamin m'a l'air d'avoir plus de courage que vous tous réunis. Et bien plus de cervelle. Alors arrêtez, jacassez et aiguisez vos surins. Non, patron, il n'y a aucune chance qu'il nous suive. Jusqu'ici, le chevalier rend. Enfin, s'il lui manque une case. Sauf s'il lui manque une case. Ouais, et c'est pas comme si c'était son fils. Pourquoi il se préoccuperait du morveux? Bonne question, mais s'il se pointe, la situation risque de devenir intéressante. J'ai toujours eu un faible pour les hommes, ayant plus de courage que de bon sens. Comme ce gamin. Qu'est-ce que t'en dis, fiston? Ça te dirait de rejoindre notre petite famille? Les gars qui ont des tripes ont leur place parmi nous. Jamais je vais devenir un guerrier courageux comme Monsieur Berg. Vous entendez ça, les gars? Le gamin, hein, trouve que la vie de bandit est indigne de lui. Tu crois que t'es le seul à penser ça, fiston? Laisse-moi te dire un truc.
Qu'est-ce qu'il y a, patron? Sir! Monsieur? Sorry, I'm late. Désolé d'arriver si tard, j'ai été retenu en chemin. Seul, le... si c'est pas le redoutable Messire Berg, en chair et en os. Il est donc vraiment taré. Mais comment il va arriver ici au juste? Elles sont où les sentinelles? La dernière fois que je les ai vues, elles se vidaient de leur sang. Monsieur, stay back. Recule. Did he just he parried the boss's blow? Il a paré la tête du patron. Hang me, but I ain't never seen no one do that before. J'ai déjà vu ça. C'est vrai que tu es leste fort. Tu n'as rien à chevalier ordinaire, n'est-ce pas? Just as you are no common brigand. Rien d'un vulgaire brigand. Cette lame, like it, do you? Elle te plaît? It just so happens elle to se trouve qu'elle, il se trouve qu'elle ne m'a été offerte par un vieil ami. Ednard? Oh, alors comme ça, tu le connais? So it is. C'est donc bien son épée. As if I needed comme si another il me fallait une raison de plus pour vous abattre. You know comment connaissez-vous Ednard? Parlez ou je vous tranche la gorge. Tu as déjà eu compte à régler avec lui, c'est ça? I can see it in your eyes. Je le vois dans tes yeux. Ils ont jeté des regards quand je prononçais son nom. Look, I écoute, j'ignore pas ce qui se passe entre toi et Ednard. Si tu proposes des questions, mon bon chevalier, je vais me devoir prouver que tu en mérites les réponses. I will not fail. No. Très bien. Faire de lance, c'est un peu plus. Passons en premier. I will cut you down. Ok, ces deux-là sont faibles à l'épée. Je vais d'abord me faire les deux sbires avant de me faire le boss. Je le soignerai juste après, je vais d'abord profiter de leur faiblesse. Je prends le risque. Mais j'ai déjà fait prendre le risque. Ensuite, Constance. Et je vais vérifier s'ils ont une faiblesse au cœur. Apparemment, il y en avait deux. Je vais stacker pour faire une défense niveau 2. Ça, c'est la capacité d'Olberic. Il peut stacker des points d'exaltation pour renforcer sa défense. C'est le seul qui peut le faire. Dans la soumission pour que ce dure 5 tours. Victory shall be mine. Faire de lance. I shall pierce you through. The battle is truly joy. Out of my way. Hop. The battle is unbending. I think not. Victory shall be mine. I think not. Now then. Damn. No, je vais pas le faire tout de suite. How about this? Je vais briser la défense, comme ça.
Oh, fais tournoyer sa lame, ça ne servira à rien. Victory shall be mine. I shall pierce you through. Have at you. J'aurais peut-être dû faire un tir de l'autre. Et voilà, il est vaincu. The thrill of the fight. Ouais, et du coup, je me disais, au final, je vais peut-être pas faire comment dire, en un seul perso, comme ça, je pourrais reprendre à chaque épisode là où je me suis arrêté, sans devoir farmer entre les épisodes. Bref, passons à la cinématique. Je me rends. À présent, je veux des réponses. Comment connaissez-vous Ednard? Aye. On a combattu ensemble, voilà tout. On servait dans la même compagnie de mercenaires. C'était déjà un vieux briscard quand je me suis enrôlé. Il m'a aidé, il m'a appris les ficelles du métier. Un mercenaire, et où est-il aujourd'hui? Aucune idée. Quand notre groupe s'est séparé, on est parti chacun de notre côté. Après ça, j'ai erré de ville en ville. Je me suis essayé à différents boulots, mais manier une épée, c'est la seule chose qui me vient naturellement. C'est comme ça que j'atterris. Ici, les temps sont durs et il faut bien gagner sa croûte. Une épée comme la vôtre serait la bienvenue n'importe où. Vous pourriez protéger les gens au lieu de les dépouiller. Aye. Certes, mais les boulots honnêtes nécessitent plus de cervelle que ce que les gens jugeaient bon de me filer. J'ai jamais voulu faire de mal à personne, mais la vie nous laisse pas toujours le choix, pas vrai? Que vous ayez le choix ou non, vous devez répondre de vos crimes. Aye. Ouais, je connais la chanson, mais je dois aussi penser à mes hommes. Qu'est-ce qui se passe, patron? Patron? Oi! Je calme les gars. Le chevalier errant est dans son bon droit. J'ai trop de sang sur les mains qui vit par l'épée. Enfin, tu sais ce qu'on dit, faut savoir assumer ses actes. Non. Inutile de verser davantage de sang aujourd'hui. Rendez-vous et je veillerai à ce qu'il ne soit fait aucun mal à vos hommes et vous. J'apprécie ce geste, chevalier errant. Laisse-moi te rendre l'appareil. Je mentais pas en te disant que j'ignore. Putain, je vais y arriver. Où se trouve Ednard? Mais je connais quelqu'un qui le sait peut-être. Aye. Il s'appelle Gustave. Merci, messire Gustave. Certains le surnomment le chevalier noir ou une autre ânerie du même tonneau. On a tous les deux appris à manier l'épée auprès d'Ednard chez le mercenaire. Ah oui, donc c'est vrai que son chapitre 2, ça va être dans son chapitre 2. Lui, je vois ce que c'est son chapitre 2, Alberic. D'ailleurs, je connais même son histoire par cœur, lui. Mais bref, ce sera pour un futur épisode, ça. On a tous les deux manié l'épée auprès d'Ednard, chez les mercenaires. Aux dernières nouvelles, il serait à Vainperchis. Et cet homme saura me dire où trouver Ednard? Peut-être, peut-être pas. Quoi qu'il en soit, si tu veux avoir le cœur net, ça vaut le coup de lui poser la question. J'ai vu tes yeux, chevalier errant. Des yeux morts, pareils à ceux d'un poisson. Mais ils sont revenus à la vie à l'instant même où tu as vu ma lame. Mort, étais-je vraiment? Mais qu'est-ce qu'un simple voleur peut bien savoir de l'âme humaine? Look. Monsieur Berg, les dieux soient loués. Vous êtes sains et saufs, et les femmes et les enfants aussi, monsieur. That's right. Rassemblez les voleurs et enfermez-les dans le jeu du village. Berk, je jurerais avoir déjà entendu ce... Puissent les dieux avoir pitié de moi, Heisenberg. J'aurais dû m'en douter ton regard, alors quand tu as entendu le nom d'Ednard. Ah ça, tu n'as rien d'un chevalier errant, tu es messire. Ulberich Heisenberg, la lame inflexible. Hein, qu'est-ce que... Par la flamme? Hein?
La lame inflexible. Damn it. Mais je croyais qu'il était mort lors de la chute de Cornebourg. But... Moi j'avais entendu dire qu'il s'en est étiré, mais je voulais pas trop y croire. Jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, monsieur, vous êtes un vrai chevalier? Non. C'est une vieille histoire, hein, mon garçon, une très vieille histoire. Mettons-nous en route. Nous avons suffisamment fait pour ta mère. Oui, monsieur. Olberich. Plus tard. Ce village m'a accueilli à bras ouverts, mais il est temps pour moi de reprendre la route. Je trouverai Ednart afin de découvrir la raison pour laquelle je prends ce coup. Je dois trouver ce dénommé Gustave et si les dieux le permettent, Ednart lui-même. Indeed. L'homme a parlé de Vainkarchis, c'est là que je dois me rendre. Je n'aurais pas cru avoir un jour l'occasion de remettre cette tenue. J'ai un long voyage devant moi et plus aucune raison de retarder mon départ. Partez vers l'est. Ainsi vous portez vraiment l'humilité. You have shown me nothing but kindness. I am forever in your debt. À jamais votre débiteur. Oh, c'est nous qui vous sommes vos obligés, mon ami. Cela ne dépendait que de moi, vous resteriez. Et parmi nous, mais ce choix est le vôtre. On n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour nous, monsieur. La prochaine fois que les deux sales brigands s'en prennent en nous, on leur donnera une bonne punition en souvenir de vous. On n'est pas des chevaliers, mais on a beaucoup appris à votre contact. On est plus prêts à protéger les nôtres. Glad to hear it. Ravi de l'entendre. I'm sorry, sir. Philip, he wouldn't come. Philippe, il n'a pas voulu venir. Il ne voulait pas, sans doute, pas pleurer devant vous. Je comprends. Tell the boy I've counted on him to grow strong. Pour devenir fort et veiller sur sa mère. Thank you, sir. Merci, monsieur. I will. Je ne manquerai pas. When you've quand vous en aurez fini, quand vous aurez fini ce que vous avez à faire, revenez nous voir. No matter how far your journey takes, peu importe où vous mènera votre voyage, sachez que vous serez toujours le bienvenu ici. Thank you. Merci. À présent, je ferai mieux. Philip. Tout va bien, c'est un sacré courtier. Tu le tiens fort. Je vais continuer à m'entraîner pendant votre absence. Et quand vous reviendrez, je serai encore plus forte. Et alors? Alors, je pourrai peut-être. J'y compte bien. Moi aussi, je vais devenir plus fort. Et nous nous reverrons, je suis à ma parole. Vous avez intérêt à vous en souvenir. Un chevalier tient toujours parole. Et c'est ainsi que le chevalier Olberich entama un nouveau voyage. Il entendait retrouver Ednart, son ancien frère d'armes, et lui demandait des comptes. Peut-être découvrirait-il également qu'il avait perdu la raison pour laquelle il brandissait son épée. Que lui réserve le destin? Seul le temps détenait la réponse. Et bah, très très bon premier chapitre, vous en conviendrez. Je vais me chercher un peu de stuff, et puis on va s'arrêter là. Bah je vais déjà vendre les trucs que je pouvais vendre dans la boutique. Et là, cette fois-ci, je vais me prendre des armes. Et si je peux une défense un peu plus solide. Et voilà, ça ira.
Du coup, on va sauvegarder. Pour le prochain épisode, le prochain chapitre qu'on fera sera. On va faire comme prochain chapitre Primrose. On va les faire dans cet ordre-là. Donc Primrose, Alphine, Therion, Anit, Ophelia, Cyrus et Tressa. Pour les chapitres 1, on va les faire dans cet ordre-là du coup. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous aimez mon contenu, je vous invite à me suivre sur Twitch, mon Twitter évidemment. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, selon quand vous regardez cette vidéo. Bye! Your passion, your passion.